Monseigneur Marc Stinger, bonjour. Vous êtes évêque de Troyes, vous êtes aussi président du groupe de travail sur les questions environnement et écologie pour la conférence des évêques. Vous pouvez nous dire où vous en êtes dans ces réflexions sur l'environnement et l'écologie? Oui, donc nous avons, dans un premier temps, puisque nous sommes à la première phase de notre travail, présenté aux évêques les résultats d'un certain nombre d'auditions que nous avons faites auprès d'experts qui ont essayé de répondre aux questions que les évêques eux-mêmes se posaient dans le domaine agricole, sur les questions d'énergie, de réchauffement climatique, enfin un certain nombre de grandes questions de cette sphère de l'environnement, questions que tout se pose aujourd'hui. Alors nous leur avons rendu compte des réflexions des experts et c'était fait pour leur permettre, eux, de réfléchir ensemble et de discuter ensemble, de s'approprier ces questions à partir de là et de dire un peu quels doivent être les points d'attention de l'Église aujourd'hui sur ces questions. Et c'est ça le sens de notre première session qui va être suivie d'une autre où nous essayerons de regarder comment les fondamentaux de l'Église, comment la parole de Dieu, la théologie de la création qui est le bien propre de l'Église, comment ces fondamentaux, ce patrimoine de l'Église peut venir éclairer les situations d'aujourd'hui sur ces questions-là. Les évêques sont très sensibles aux questions du monde agricole où les choix écologiques sont extrêmement importants. Enfin, de quelle manière on cultive, pourquoi on cultive. Ensuite, il y a le problème de consommation. Les évêques sont très concernés aussi par les problèmes de consommation, il y a les problèmes d'utilisation de l'énergie, il y a aussi les problèmes qui sont plus de l'ordre de la justice, de partage des ressources naturelles. Sur tous ces points-là, les évêques sont concernés et nous avons bien au moins réussi à dégager ces questions, à les poser correctement. Quelles vont être les prochaines étapes de ce groupe de travail ? La prochaine sera justement un retour vers nos fondamentaux, c'est-à-dire regarder ce que nous avons de spécifique pour une parole d'Église au monde d'aujourd'hui sur ces questions écologiques. Donc on va étudier la théologie de la création, mais nous allons le faire aussi avec une perspective écuménique, parce que nous ne sommes pas les seuls à nous préoccuper de ces questions-là. Les orthodoxes sont très, très fortement ouverts à ces questions-là, donc nous allons essayer d'avoir aussi leur éclairage. Il s'agit de voir comment, au fond, l'Église peut apporter des réponses, au moins des pistes spirituelles, théologiques, éthiques aux hommes de ce temps. Parce que c'est pas tout de faire des grands discours. Il y a une parole à dire. L'Église a une certaine originalité dans son message à cause de ses fondamentaux, justement.